Bonjour à tous, nous allons prendre le chant d'entrée, page 59. Venez, chantons notre Dieu. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons par lui, nous sommes guéris. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte, Jérusalem, danse de joie. Le chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon dia todos. Nous commençons notre célébration au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec joie que nous célébrons aujourd'hui cette messe. Et vous êtes, vous pèlerins, vous êtes en communion avec un groupe de pèlerins de l'île de La Réunion. Nous sommes 36 là. Et nous fait plaisir de célébrer cette messe avec vous tous. Et en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, avec les enfants de l'apparition, nous allons ensemble dire merci au Seigneur, mais en même temps, nous allons ensemble demander la grâce que nous avons besoin, que l'Église entière en a besoin, mais aussi que notre pays respectif en a besoin. Avant de continuer notre célébration, nous allons d'abord demander le pardon de notre Seigneur en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ce que tu as fait renaître par le baptême soit revêtu de sa lumière impérissable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des apôtres. À Corinthe, une nuit, Paul eut une vision. Le Seigneur lui disait : Sois sans crainte, continue à parler, ne reste pas muet. Je suis avec toi et personne n'essaiera de te maltraiter, car dans cette ville, j'ai à moi un peuple nombreux. Paul demeura un an et demi à Corinthe. Il enseignait aux gens la parole de Dieu. Pendant que Gallien était proconsul en Grèce, les Juifs tout ensemble se soulevèrent contre Paul et le conduisirent au tribunal en disant « Le culte de Dieu auquel cet individu veut amener les gens est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallien déclara aux Juifs S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte comme il se doit. Mais puisqu'il s'agit de discussions concernant la doctrine, les appellations et la loi qui vous sont propres, cela vous regarde. Moi, je ne veux pas être juge de ces affaires. Et il les renvoya du tribunal. Alors, ils se saisirent tous de Sosthène, le chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallien demeurait indifférent. Paul resta un certain temps à Corinthe, puis il fit ses adieux à ses frères et prit le bateau pour la Syrie. Il emmenait Priscille et Aquila à Sancréès. Il s'était fait raser la tête, car le vœu que le lui interdisait venait d'expirer. Parole du Seigneur. Peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du cor, sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi,
sonner. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Jean. Du chapitre 16e. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né dans le monde. Vous aussi, maintenant vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous n'aurez plus à m'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais c'est avec joie que je célèbre cette messe avec vous, pèlerins venus de quatre coins du monde. Et ensemble, le Seigneur est en train de nous dire maintenant que nous sommes tous ses enfants. Et par notre baptême, nous appartenons à la grande famille de notre Seigneur. Et à Fatima, nous sommes chez nous, chez notre maman, avec les trois enfants de l'apparition. Et ensemble, nous disons merci au Seigneur. C'est pas donné à tout le monde. Nous ne sommes pas, comme j'ai l'habitude de dire, nous ne sommes pas meilleurs que les autres qui n'ont pas pu venir ici, mais seulement Dieu nous aime. Et voilà, il nous prouve ça et il nous a choisis. Comme saint Paul dans la première lecture, par notre baptême, nous sommes appelés à témoigner notre foi. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de difficultés. Mais heureusement que Dieu est là. Il y a une expression qui dit que c'est dans la nuit qu'il est bon de voir, de contempler la lumière.
Et lorsque nous sommes dans des différents problèmes, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous dit qu'il ne nous laisse pas, il est là, il nous accompagne, il nous aide. Mais pour sauver les hommes, il faut être un homme. C'est pour cela que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Mais si encore meilleur avec la Vierge Marie, pour amener vers le Seigneur et Jésus notre prière, le meilleur chemin, c'est Notre-Dame. Ici, à Fatima, c'est Notre-Dame de Fatima. Et il y a aussi les enfants. Et comme les enfants, aujourd'hui, nous sommes appelés à accepter cette mission que le Seigneur confie à chacun de nous. Comme Francisco, Jacinta, Lucia, nous sommes tous appelés aujourd'hui. Mais pour que nous puissions accomplir notre mission, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'accepter aussi que nous sommes faibles et sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Alors, ensemble, disons au Seigneur, merci, mais en même temps, par l'intermédiaire des trois enfants de l'apparition, mais aussi par la Vierge Marie, demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière universelle. Réunis au nom du Seigneur par notre maman Marie, ici présent comme il nous l'a promis, prions avec toute confiance à Dieu notre Père pour le bien-être de tous les hommes et toutes les femmes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Voilà, Sainte Église de Dieu, qu'en proclamant dans ces célébrations les merveilles de l'institution eucharistique, elle puisse sentir croître l'œuvre du salut et être ferment d'unité entre tous les hommes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les nations, qu'elles puissent se développer en pleine liberté et découvrir en Dieu la source de tous les biens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de maladies ou d'isolement, que le Fils de Dieu les guérisse et les réconforte, puisque lui seul est l'appui ferme de toute faiblesse humaine. Et pour que tous les moribonds soient consolés et fortifiés par le sien viatique, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui nous ont quittés ou nous quitterons aujourd'hui même, et dont la foi est seulement connue de Dieu, que Jésus-Christ leur concède comme récompense la résurrection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous réunis en assemblée pour célébrer l'Eucharistie, puisse-t-elle intensifier la charité fraternelle qui nous unit et augmenter notre espérance en la venue du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, toi qui ne cesses de nourrir ton Église par les mystères du corps et du sang de ton Fils, fais participer du banquet de ton règne ceux qui se réunissent par la scène du Seigneur ici sur la terre, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et du lien de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Alléluia.
empli de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de tout le peuple, de tout ton peuple, et nous spécialement aussi, nous prions pour tous les pèlerins ici présents. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de ta résurrection. Et nous disons cette messe spécialement pour Yagal Emmanuel, pour William, Yagal Dimitri Lorenzo, Carpin Maël, Gossard Lucas, Carpin Maeva, Carpin Maillé, et Filoa Megui, tes chers Florent, tes chers Sidomani, tes chers Idriss, tes chers Daniel, tes chers Marie Sonia, tes chers Janine, D'Amour Émilie, Yagal Patrice, que la grâce de Dieu leur donne la santé, la grâce et la lumière, mais aussi pour toute sa famille. Le groupe de pèlerins, surtout nous tous, mais spécialement le groupe de pèlerins de La Réunion, notre groupe de prière demandé par Marguerite pour le repos de l'âme de sa mère, Marie-Juliette, demandé par son fils, Jean-Louis, et son époux, André. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps,
Notre-Dame de Fatima, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec tous les membres de nos familles, nos pays respectifs, en communion avec tous les pèlerins de Fatima, nous allons réciter ensemble la prière que nous avons reçue du Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang de Christ.
passé vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit accompli le mystère, qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. Aujourd'hui, il allume une flamme afin que nous l'aimions jusqu'au bout. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous récrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, mais aussi les fruits de ce pèlerinage que nous sommes en train de faire.
Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Merci à vous tous. Et maintenant, je vous bénis, je vous donne la bénédiction, mais en même temps, je bénis les objets de piété que vous avez achetés pour vous ou pour les amis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ.